Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de l'état gendarme et de l'état providence. On va commencer par une définition des deux termes et leurs fonctions. On va mettre en opposition les deux états avec la comparaison des deux théories des principaux économistes et on finira par une conclusion. Pour commencer, l'état gendarme c'est un état qui, comme son nom l'indique, joue un rôle protecteur envers les citoyens pour garantir leur sécurité. Ses fonctions, en fait il assure trois fonctions, c'est la police, la justice et l'armée. La police, c'est juste jouer un rôle de protection à l'intérieur du pays. Et l'armée, c'est assurer la sécurité des citoyens à l'extérieur du pays, en fait, envers les autres pays. Et la justice, ça sert à garantir une certaine équité au sein du pays, entre les citoyens. Après avoir vu l'état gendarme, nous passons désormais à l'état providence. Mais qu'est-ce que c'est l'état providence? On peut dire que c'est une sorte d'intervention de l'État dans le domaine social afin de favoriser la protection du peuple. Par exemple, la sécurité sociale qui est une des formes de l'État-providence. De ce fait, en France, si je vais chez le médecin, je peux que remercier l'État-providence. L'économiste Keynes est favorable à ce système d'État-providence. Selon lui, l'État doit intervenir dans l'économie afin de réguler le marché. L'État intervient notamment dans la mise en place d'une protection sociale et dans la redistribution des richesses. Alors que Smith, lui, pense que le marché s'autorégule et que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Selon lui, chaque individu qui poursuit un objectif égoïste finira par contribuer à une production de richesses sans que l'État n'ait à intervenir. Conclusion. De nos jours, il n'existe pas réellement d'État complètement gendarme ni complètement providence. Les aspects de chaque type d'État se complètent. En France, l'État intervient dans tous les domaines. C'est la fin de notre vidéo. Désormais, vous serez capable d'expliquer les différences entre les notions d'État gendarme et d'État providence.